Bonjour et bienvenue sur ce group stage avec Robin et Kit pour le deuxième match des Grands Prix de cet après-midi. Oui, oui, tout à fait, c'est la deuxième partie de la journée, deuxième partie des group stage avant les barrages et du coup on se retrouve avec un match donc avec Robin et Kit. On est déjà sur la deuxième map, on a loupé complètement la première, j'ai même pas vu le score à vrai dire. Ouais, moi non plus, mais en fait elles ont débarré un peu vite donc salut l'escargot, c'est monsieur Francard. Salut l'escargot. On s'est même pas présenté en plus. Oui, tout à fait, bah ouais, on commence comme ça. Alors qui es-tu? Eh bien je suis procrastination, pro-pro. Pro-pro, ouais. Voilà, pro-pro pour les intimes. Moi c'est difficile du coup de me connaître en faisant exactement la même chose chez Jarmou, genre dire de la merde dans un micro et ne pas savoir de quoi on parle. C'est ça, c'est à peu près ce qu'on fait ici, c'est-à-dire on va raconter des choses sur un jeu qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise absolument pas, et on est là pour ça. Ouais, exactement, on nous a demandé en fait, genre est-ce que vous voulez commenter? On a dit genre, est-ce que vous connaissez le jeu? Non, enfin non, plutôt genre, on ne connaît pas le jeu, très bien, installez-vous. Installez-vous. Voilà. Et on compte sur vous. On compte sur vous. Mais merci du coup de ne pas avoir muté le son du stream. Ouais, parce que on s'est dit que de toute façon les gens utilisaient juste le multi-stream pour regarder différents matchs. Et que de toute façon dans tous les cas on serait muté, donc on pourrait dire à peu près tout ce qui nous passait par la tête. Donc merci beaucoup de ne pas avoir fait ça et d'avoir notifié notre présence derrière les micros. Ça fait très plaisir de voir que malgré ce stream secondaire, on peut quand même parler et dire des choses à des gens. Un peu inutile, mais on est là. Eh bien non, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Bah, en plus de ça, étant donné qu'on n'a pas du tout le son du jeu, j'ai l'impression, ce qui est peut-être pas normal, on essaierait peut-être de régler ça pour le prochain match. Je voudrais savoir si d'habitude il y a le son du jeu sur ce stream-là, parce que je ne sais pas. Je n'ai pas regardé le stream avant. Mais ce serait pas mal si on arrive à le régler ce truc-là, ce serait pas mal, ce serait chouette. C'était un setup en perpétuelle évolution, c'est-à-dire que de jour en jour, on a rajouté des briques et du matériel pour que ce soit un peu meilleur à vos oreilles. On est passé d'un micro-casque que Jarmou tenait à bout de doigt, qui saturait et qui faisait des trucs bizarres, jusqu'à... Oula, ça sature un peu aussi de mon côté. Jusqu'à ce microphone professionnel ramené par moi-même et cette carte son. Donc en fait, au final, on se professionnalise. Oui, tout à fait, c'est une évolution. Il y a eu quand même un bon changement entre j'ai un casque et j'ai un micro avec une carte d'acquisition. C'est quand même pas tout à fait la même chose, quoi. Ouais, surtout quand le micro en question ne fonctionne pas très bien. Comment ça, il est très faible? Il est très faible. On nous entend très mal? Peut-être le son du jeu. Ah, le son du jeu. Je pense que c'est le son des milliards de SNES qui sont en train de tourner derrière nous, en fait. Parce qu'il y a à peu près... il doit y avoir 5 télés qui font du son en même temps, quoi. Ouais, le son du jeu, ouais. On est censé l'avoir. Troisième et quatrième place. Donc on se retrouve sur Donkey Kong. On a un ex-aequo. 15-15 ex aequo avec Yoshi qui vient s'interposer au milieu, histoire de noter la présence quand même des non-joueurs. De l'IA, De l'IA qui ne laisse pas sa place à tout le monde. L'IA est là. L'IA est là, ne lâche si, pas. Ouais, même si Kit ne le veut pas. Voilà. Même si Kit ne le veut pas, l'IA est là, ouais. donc on est déjà sur la quatrième carte, si je compte suffisamment bien. La Brother Castle, donc le château du frère, si je dis pas de bêtises, je sais pas ça. Le combien. Je ne sais pas non plus, puisque je ne connais pas les numéros des cartes, mais les frères, donc avec les. Qu'on a les stomps. Les stomps, du coup. On s'est posé la question hors stream, c'était quoi? Est-ce que c'était les chonks? Est-ce que c'était les stomps? C'est les stomps. C'est les stomps. C'est le premier. Voilà. C'est le premier. Merci beaucoup pour l'information. Merci beaucoup. C'est bien quand le chat peut participer et nous apprendre des choses au fur et à mesure. Complètement. Après, du coup, vu que c'est les châteaux des frères, on peut supposer que les frères sont rentiers. Donc, c'est pas, ils doivent avoir 2-3 propriétés. Il y en a 3, je crois, en tout, c'est ça? Je crois, ouais. Il y a 3 châteaux différents qui louent pour faire des pistes de cartes. Parce que ça doit être leur passion, ces frères-là. Je pense surtout qu'ils ont envie d'avoir encore plus de thunes en plus de leur rente. Parce que bon, l'été, ça marche bien, mais l'hiver, bon... Après, vu qu'il y a de la lave, je pense que tu dois pouvoir faire tourner ça à peu près toute l'année. Parce que surtout en hiver, du coup, parce que tu te retrouves dans un endroit où il fait bon vivre, quoi. C'est vrai. Après, je me demande, du coup, est-ce que tu peux faire genre des bains d'eau chaude, tu vois, avec toute cette lave? Est-ce que tu peux faire des onsen, tu vois, un petit truc comme ça? C'est probablement juste un colorant qu'il y a à l'intérieur, hein, c'est juste pour le folklore. Ça fait bien sur les photos du Airbnb, hein, mais... T'as de la lave dans ton jardin, tu sais. Ta petite piscine rouge.
Ça a été probablement créé pendant le plein pot du meme The Floor is Lava. Voilà, ça a attiré les geeks en tout genre, les fans de meme de notre génération. Par contre, pour les stompes, je sais pas comment ils ont fait, j'avoue, ouais, je vois pas les ficelles. Une vue d'artiste, bien sûr. Exactement, c'est. Il fallait un décor intéressant pour faire du kart dans la propriété. Et donc, premier et deuxième. Pression que Robin a gagné la Robin, victoire. Ouais, je pense que Robin a gagné la victoire et quitte à gagner la deuxième victoire. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a. Et du coup, il y a un changement. Normalement, du coup, voilà. Donkey Kong, donc Robin qui prend la première place, suivi par Kit. Avec 21 points. Avec 21 ouais. points, et je n'ai pas suivi pour Kit. Non, 21 points, c'était pour 24 Kit. Et 21. 24 et 21 points, ouais. Tout à fait. Ah, mauvais départ pour Donkey Kong. Pour le joueur Donkey. Ouais, Kit qui prend la tête en deuxième place, qui se bat contre Yoshi, qui est donc clairement la tête de file de l'IA, qui est ici pour mettre des bâtons dans les roues des ouais. joueurs. Départ très solide de la part du joueur Kit. Tout à fait, mais une remontée assez impressionnante de la part de Robin, ouais, qui ouais. remonte déjà à la deuxième place. Alors qu'il était à la 8ème il y a quelques instants. Le choc là, aïe, 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 aïe. Et Robin a faim, hein. Ah, Robin, faut le dire. Ouais, ouais, ouais. On le voit hein, dans les virages, dans cette prise de décision de couper les virages. Ouais. Et je sais pas si vous avez vu, quand Yoshi est passé juste à côté de Kit, Yoshi a lâché une pièce. Vous savez pourquoi? Parce que Yoshi paye pas ses taxes. Et vous savez pas pourquoi Yoshi paye pas ses taxes? Parce que Yoshi fait des courses juste pour pouvoir lâcher des pièces, lâcher sa fortune, juste voilà. pour papier, taxe dessus bien ouais. sûr. Mais en même temps, Yoshi a quand même une île privative, Yoshi Island. Yoshi Island, ouais. Ouais, ouais Yoshi ouais. Island. Et donc, bon, bah, on sait qu'il a des sous, quoi. Il a même fait une course sur son île qui fait tout le tour. Et n'empêche qu'il a quand même réussi à la terraformer pour être à sa forme, quoi. Ouais. Faut montrer à quel point Yoshi est mégalo de est ouf. Mégalo de ouf, ouais, quoi. C'est clair. C'est impressionnant quand même. C'est une petite anecdote que les gens voient pas forcément bah quand tu visites ce circuit, ce que ça s'appelle circuit Yoshi, voilà. Mais ouais, circuit Yoshi, c'est ça. Hein. Effectivement, le circuit Yoshi prend la forme de Yoshi. Et mais combien ça doit coûter de terraformer une île à son image, quoi. Oh là là, terrible. Oh non. Terrible. Kit qui est tout petit. Kit qui est tout petit, petit. Kit a complètement perdu la face face à ce petit champignon lâché qui lui a fait déraper et se retourner à la moitié du circuit. Ah mais quelle tristesse. C'est absolument terrible. Alors et que les deux premières courses étaient particulièrement exemplaires. C'était exemplaire ouais. et là, la chute quoi. La chute. La chute brutale. C'était drôle, mais c'était mais brutal. C'était, ouais, c'était brutal. C'était brutal libré même. Voilà, malheureusement, 8ème place pour Kit qui est en train de se marrer à côté. Parce que je pense que c'était beaucoup. Beaucoup d'émotions d'un coup. Oui, beaucoup d'émotions ouais. d'un coup. Cette espèce de combo ouais. Petit champi, je loupe le boost et je retourne à la moitié du circuit. Ce qui est au final quelque chose pour lequel on pourrait être énervé. Oui. Mais la situation est telle qu'au ouais, final, c'est tellement cocasse. C'est tellement trop que ça en devient. Ça en devient énorme, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et oui, Yoshi fait de l'évasion fiscale, c'était à peu près là où on voulait en venir. Oui, tout exactement. À fait. Exactement. Voilà, et donc fin du match. Fin du match, donc troisième pour Kit et premier du coup pour Robin. Voilà. Donc